Oh, Toby Tony. Tony, t'as oublié ton string à terre. C'est quoi ce string? C'est le tien? Oui, ça me démangeait la zouzoupette. Puis les deux gros bâtards qui sont dans ma tête, ils pouvaient pas à un moment fermer leur gueule et arrêter. Et arrêter. Quoi, t'as un boss sur ton pantalon? Y'a mon argent de poche là-dedans? Non, mais arrête tes conneries! Non, mais c'est rien ça! Gagne! Mais arrête tes conneries! Arrête tes conneries! Je suis amoureux de Clara et je suis aussi amoureux de Madame Sonic là! Ah! T'es amoureux de Sonic? Bon, bah voilà! T'es contente, Sonic? Je sais pas si je suis contente! Ah, tu veux que je t'avoue quelque chose? Quoi? En fait, mon papa il s'en fout des vêtements, ça c'est un kiff personnel pour moi! C'est ridiculisé. Quand tu veux, on se fait une vengeance sur Fortnite. Hein. Quand tu veux, bébé. D'accord. Okay. Je vais te fortniquer. Ah. Oh. Il a dit quoi, quoi? C'est bon, j'ai vu une voiture de police tourner là-bas. Hey, salut mes copains, ma copine, ça va? Oh putain. Salut Sonic. Arrête pas de bisous, non, c'est bon. Attention le bus, attention. Ah, tu tombes à pied, toi. Alors, j'ai une nouvelle, Tom. Oui. Une surprise. Et toi, tu vas être content, par contre. T'es très content. Tu vas m'épouser? Non, laisse-moi. Je suis... Ça te va pas, ces lunettes, hein? D'accord. Bon, bref. Je préfère les transparents. Oui. Bah attends, j'ai quelque chose à dire. L'enceinte de ton papa. Non. Alors, je suis en couple avec ton papa. Il t'a choisi toi? Oui. Ouais. Maintenant, je peux le quitter? Maman. Non, je peux le quitter maintenant? Maman, non, maman. Non, non, non. Je peux le quitter maintenant. Mais si tu le quittes, tu quittes le pouvoir aussi. Ah oui. Bah oui. Et tu as pas encore niqué. Ah non. Non, là. Oh mon dieu. Tu m'as fait peur. Mais moi aussi, tu m'as fait peur aussi. On a fait une condition, ça. Tu niques avec moi et tu restes avec moi. Ah, oh là là, mon dieu. Mais tu sais qu'il rigole. Non, je rigole pas. Ah. Tu vois que j'ai une tête à rigoler, toi? Oh, tu veux vraiment la soulever? Oh, elle est vénère. Elle est nerveuse. Putain de merde. Désolée, j'étais un peu sous tension, pardon. Oh, mais non, je rigole, tu seras ma maman, je vais pas te toucher. Oh là là. D'accord, ok. Bon, bah ça va alors. Il faut qu'on discute, si je suis venue ici, c'est pas pour rien. Reçu ton message là que. Regarde, attends, je relis. Bonsoir, Tom, j'ai été menacé par le jeune à qui tu as cassé la moto, il réclame 5 000 $. Il faut que tu m'expliques tout ça. Oui, alors. Qui t'a en menacé fait, c'est un. Sage. On va aller dans mon bureau. Ah, d'accord, ok. T'es jamais monté en haut? Si, c'est le bureau à Rémi. Bah oui, Rémi. De quoi? Il a dit quoi? Bah oui, Rémi. Tu connais Rémi? Oui, je connais Rémi. C'est mon tonton. Tu crois qu'à Dieu, il faut qu'on dise la vérité? Là où on en est, ouais, vraiment. Ouais, là où on en est, on va lui dire parce que voilà, on travaille ensemble maintenant, on est ensemble. Ouais, on va te dire à l'intérieur. Bah Rémi, il y a pas de Rémi, il y a jamais eu de Rémi. Ah? Rémi, c'était moi, c'était un déguisement. C'est pour ça que Rémi il est tout petit. Oui. C'est pour ça que tu veux te serrer des vieilles en fait. Il y a des femmes qui sont tombées dans le panneau aujourd'hui. Oui. Mais c'était un déguisement parce que tu vois, j'ai acheté ce boîte de nuit. Mon papa aussi, bah je suis dans la merde. Donc je me suis acheté un déguisement et après, bah j'ai fait Rémi. Voilà. Mais en tout cas, Abdoul il a bien gardé le secret. J'espère que toi tu feras de même. T'inquiète pas, tu peux avoir confiance en moi. En fait, elle est le. Comment dire? Elle est mon bras droit ici, tu vois. On est devenus proches, Sonic. Mais pas trop. Regardez, nous trois on fait la paire comme mes deux boules. Ah, t'as trois boules, toi? Oh mon dieu. Toi, t'es le boule droite, elle, c'est la boule gauche, moi, je suis le zizi. Je fais comme oula, ça. C'est là, ça fait un zizi, tu vois? Oh là là. Vous avez couille droite, couille gauche. Bon. Explique. Oui, explique-moi ce qui s'est passé, chérie. Alors, ça a commencé quand tu as mis un coup de la braguette est encore ouverte. Mais putain, c'est pas possible. Putain. Mais je suis pour rien. Oh là là là. J'étais sûre d'avoir regardé, je crois que j'avais regardé à un moment, je suis partie aux toilettes. Ah, attends, Tom, je me rappelle un truc là. Quand t'étais déguisé en Grinchia là, oui, y'avait pas un mec avec à qui t'as redressé son machin? Bah, son zizi parce qu'il était sur le côté, il a aidé. D'ailleurs, le tien aussi là, regarde, il part sur le côté. Attends, viens, non, redresse. Non, mais regarde, Sonic, regarde, ça part sur le côté. J'ai pas regardé, je regarderai pas. Voilà ce qu'on appelle l'expression que ça part en couille. Ah, celle-là, elle est bien. Ouais, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Je valide. Ouais. Je valide. Yeah. Je la note, celle-là. Ouais, celle-là, tu peux la noter, ouais. Donc, la dernière fois que t'as mis un coup de pied sur une moto, donc d'un jeune... Au revoir, monsieur. Au revoir, le petit. Tu es moche, tu es pas beau. Quoi, non, c'est... Tiens. Oh là. Et reviens ici.
Ce qui s'est passé. Alors, on était en voiture avec Abdoul. Un gars en moto jeune est arrivé. Il a dit que la voiture était très belle. Et ensuite, il lui a rayé sa voiture. Ensuite, on est parti se changer dans un magasin. De là, il y avait un jeune. Et de là, il nous a demandé, il nous a dit que notre fils avait cassé sa moto. Et que, maintenant, il fallait rembourser. Donc, on lui a dit qu'on n'était pas tes parents. Et il a dit, j'en ai rien à foutre, c'est à vous de rembourser. Et ensuite, j'étais toute seule sur le parking. Ce même individu est arrivé et m'a réclamé, en fait, 5 000 $ que je dois rembourser. Voilà. T'as agressé? Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai commencé à pleurer en plein milieu du parking. J'ai fait un peu de comédie du type, oh là là, il m'agresse. Regardez, il est en train de me racketter. Des gens se sont mêlés en disant, oui, c'est pas bien, nana, etc. Et puis voilà. C'est le gang des gens, tu viens de... C'est... Attends, tu te souviens, Abdoul? Vagos? Ouais. On bossait avec eux, là. Sauf que... Les bombes, les pouces. Sauf que là, c'est d'autres Vagos, et je sais pas c'est qui. Donc ils veulent qu'on les rembourse. Tout à fait. Vous connaissez où ils habitent? Aucune oui. idée. Moi, je connais, oui. Une fois, ils m'ont volé ma voiture une fois, et ils m'ont dit de venir récupérer dans leur endroit. Ils m'ont volé ma moto aussi, un jour. Oh, ils m'ont réclamé 15 000 $. Sinon, il a brûlé, et on a payé. Et des gangs, ça vide, ils ont un quartier spécial. Pour cela, on va se venger. Personne ne touche à Sonic. Personne ne touche à Sonic et ma moto. Voilà, c'est tout. Abdoul! J'adore! Ouais. Mais Abdoul, il sert à quoi en fait? Y a le VIP qui m'attend dehors, je reviens. Non, c'est bon, vex pas! On rigole! Non, mais sérieusement! Non, il va attendre, on va voir le VIP! Mais tu vas pas sortir toi? M'en fous, je suis venu juste faire un exposé, tu dis ça! Je suis avec son père, je peux pas. Mais c'est ma belle-mère en plus là! Ouais, c'est maman, tu me fais un bijou, maman! Non, c'est moi, regarde pas! Maman, tu me fais un bijou! Et Sony, t'as le droit de lui foutre des fessées maintenant! Il risque de prendre plaisir, je crois, le petit! Oui! Non, t'emballe pas! Écoutez, ce qu'on va faire, on va voir les VIP, et après on prend une voiture, on va s'infiltrer dans leur quartier pour voir comment c'est, et après, j'ai peut-être une idée pour vous, pour se venger! Ils veulent qu'on leur rebosse, on va pas leur rebosser, on va foutre plus de bordel dans leur quartier! Parce que actuellement, j'étudie quelque chose, j'étudie la base militaire! À Los Santos. Tu veux faire quoi à la base militaire? Tu sais que c'est l'armée. Mais filtré, voler du matoche là-bas. C'est l'armée. C'est grave, là, c'est l'armée. On sera l'armée. Tu m'aurais dit la police, mais là c'est l'armée, frère. On va voir ça après. D'accord. Ok. Tu peux pas annuler ta soirée de merde là? Non. Tiens, il est chiant, c'est ton patron. C'est qui ton patron? Il est con. Mais c'est toi, espèce de couillon. Ah oui, merde. T'es en congé, c'est bon. T'es viré. Non, viré. Non, moi je veux du fric, moi c'est bon. J'ai besoin de m'acheter un truc. Allez, va voir les VIP. C'est qui le VIP? C'est Monsieur Johnson. Ferme la porte, Abdouloulou. Abdoubouloulou. 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 En créole, ça veut dire zizi, ça veut dire... Oh, bordel. Sérieux? Oui. Abdoubouloulou. Sa mère, elle a pensé à zizi quand elle a accouché ou quoi? Ferme la porte, Abdoulou. Poulouk. Arrête de m'appeler Poulouk. Excusez-moi. Oui, monsieur. Il y a vraiment une tête de Poulouk, lui, par contre. Petit, je ne te permets pas. Je voulais savoir à quelle heure ça ouvre. Tu parlais pas, toi, hein? T'as cru que t'étais le champ de la terre ou quoi? Qu'est-ce qu'il devient, Brittany? T'es encore son papa ou pas? Ouais, elle a changé de père 46 fois, donc non, je crois que c'est fini, ça y est. Oh, la chaloupe! Ça va ou quoi, Sonny? Ouais, ça va et toi? Elle est mariée maintenant. Félicitations. Tu vas marier. C'est ma maman maintenant. Ah, c'est pas félicitations. C'est ma meilleure maman que j'ai jamais eue. Oh, bonne maman, t'es trop bonne. C'est malaisant. C'est malaisant. Oh là là, il est en train de faire des bisous à mes fesses là. Bon, on va s'infiltrer chez Vagos pour les niquer là, non? N'importe quoi, arrête-toi. Je t'ai dit d'arrêter de regarder ce livre, c'est pas de ton âge. N'allez pas. Stop. Tu m'as dit pas de. D'accord. Stop. Bon, on se donne rendez-vous 22h comme ça et je vais vous chercher un limousine. Oui, son poulet qui est. Ça doit être mal rasé lui. Tu t'imagines si son poulouk, ses cheveux, ils sont pareils. Imagine la sous-patte de Sony, ses cheveux, c'est pareil. C'est comme des lianes, pourra faire Tarzan. Le gouverneur pourra faire Tarzan dessus. Oh là là. Arrête. Oh, j'ai pas compris, Sonic, c'est quoi ces lianes? J'ai pas compris, pourquoi c'est grand comme ça? Oh, papa. J'ai pas compris, pourquoi t'es lianes? On peut faire Tarzan avec. On va où, là, en fait? Tu vas nous emmener dans leur quartier. Fait des mois que je travaille sur un projet, un prototype. Mais il me manque du matos. Il me faut un vrai tank. Un tank? Avec un vrai tank, je peux le transformer en 3 mini-tanks. Tu vois, ces mini-tanks, j'ai préparé des gadgets que j'ai envie de tester, c'est ça? Tu vas prendre un vrai tank pour couper en 3 morceaux et ça va faire 3 petits tanks, c'est ça? Mais non! Mais non! Je vais me servir. Parce que je vais prendre les pièges dessus. Tu vois, il y a plein de trucs. D'accord. Donc, du coup, là, on va où là? On va au truc des Vagos, c'est ça? Ouais, monte-moi aussi. On va bientôt arriver là. C'est deuxième rue. D'accord. On tourne à droite. Voilà, là, vous voyez une voiture jaune là. Tout ce morceau là, c'est. Tout ça. Tout à gauche, qui est à gauche ici. Oui, je me souviens. Attends. Mais
Ah ouais, je me souviens aussi. Ouais, on a vendu là les... Tiens, bande de bâtards, vous touchez pas à Sony. What the fuck? What the fuck? Vous touchez pas à Sony, bande de putains. Oh putain. T'es taré ou quoi? Taré. Tom, s'il te plaît, fais pas des trucs comme ça. Fais pas des trucs comme ça, Tom. Ça ne sert à rien. Pardon, juste à nous faire remarquer. Et juste à nous faire remarquer pour... Ils y étaient. Bah oui, il y avait des voitures. J'ai vu des voitures, mais j'ai pas vu des gens. Ils devaient être à l'intérieur. Bon, ok, hein, j'ai repéré la zone, mais y'a pas de soucis. Mais t'es fou, toi. Bah quoi? T'es plus ça? J'ai failli faire une crise cardiaque. Vas-y, on retourne, je fais plus si tu veux. Non. Jure. Quoi, jure? Mais jure. Jure. Sous ma gueule. Jure. Jure sur la vie de ta mère. Jure sur la vie de ton père. Jure sur la vie de mon père. Sous ma gueule. Il jure, ce bâtard. Jure, oui, jure. Oh putain, je vais te frapper, Tom. Mais maman, Juju. Mais arrête de m'appeler maman, j'ai pas décidé d'être maman, moi. Mais veux du jus, bordel de merde. Donne-le du jus. Mais Juju, vraiment, allez, on y va. Il jus, vraiment. On passe à côté, mienne. On regarde où est-ce qu'on va attaquer, d'accord? Surtout qu'il y a trois belles sur... Mais là, t'as fait péter les vitres. Maman, tu prends note, d'accord? Il m'appelle maman. Ok, Sonic, du coup, tiens, prends ce carnet, note toutes les coordonnées, tout l'endroit, tu repères bien, d'accord? Toi, tu t'occupes de ça. Abdul, occupe-toi bien de rouler convenablement. Et Tom, arrête de tirer, d'accord? D'accord. Voilà. T'es con, quoi? Pas autant que toi. Sonic, tu notes? À droite, tout ça, on détruit. Ok. Moi, j'attaque au milieu. Abdul, à droite, parce que t'es la couille droite. Et Sonic, t'es à gauche, parce que t'es la couille gauche. D'accord? On va au milieu. Va au milieu. Rentre dedans, au milieu. Quoi? Non, il peut pas. Arrête-toi là. Arrête. Il y a des gars. Oh putain de merde, tu as buté un. T'as buté un. Hein? J'ai vu, t'as buté un. Oh merde. Oh merde. Vite. Bordel de merde. Quoi, t'as tiré, Tom? Pourquoi t'as tiré? Parce que Sonic, au moins, ils t'ont menacé, ça m'énerve ça! Oui, mais on va s'en occuper, on n'avait pas besoin de tirer, on n'avait pas besoin de se faire remarquer. On vient en gros de les prévenir que on était en train de tourner pour moi. C'est bon, ils ont pas vu là, tranquille, vite sont teintés. Putain, j'en ai vu un tomber, je te jure, j'en ai vu un tomber. Voiture, en vrai, c'est le bruit de son arme qui fait peur, ton mitraillette ça fait peur. Bah oui, t'as vu? Mais il a sorti cette mitraillette. Oh putain! Arrête! Oh putain, tu vas défoncer là! Pourquoi je l'ai laissé rentrer derrière? J'arrive pas à l'attraper. Arrête, tu vas défoncer la caisse. Attention, le camion là, Abdul, qu'est-ce que tu fais? Regardez, l'hélico, l'hélicoptère, y'a l'ombre. Hélicoptère, j'ai de couverture. Dame. Ah oui. Putain de merde, putain de dégâts. Pardon, maman. Oui, arrête, mon petit. Ne fais plus des trucs comme ça, s'il te plaît. Faut qu'on aille changer de véhicule très vite. Oh putain de merde. Je me garer, j'en peux plus. Tu te gardes dans une caserne de pompiers? Ah, moi si ça prend feu. Da. Pardon. Oui, mais tu sais, il a tiré. Et t'as juré sur la vie de ton père. Ton père, il va crever en vrai. Mais j'ai pas juré. Tu vois, il s'est foutu de notre gueule. Il sait pas, genre, il savait pas dire jus. Il savait très bien le faire. Et il a juré. Ah, tiens, je reviens, attends, parlez toujours, attends, faites-moi confiance. Non, me rend fou. Oh, non, pompier, y'a le feu! Y'a le feu! Mais tu m'en as mis plein la gueule. Oh là là. Oh. Oui, mais arrête, on n'est pas là pour s'amuser, hein. Oh, bordel, je vois plus rien. J'ai respiré sa merde, là. Pardon, mais tu fumes aussi. Faut pas fumer dans une caserne de pompiers. Mais tu m'as fait stresser, ça fait déstresser. Bon, c'est passe à la table, on infiltre la base militaire, quelle heure? Il peut pas, il doit aller à sa soirée. Alors, si j'ai bien compris, fais ta soirée, une fois que ta soirée est finie, ouais. On passe à l'action, on s'infiltre à la base militaire, vole les matos pour, et pour cela, vous allez vous habiller, tenue de militaire. On va faire croire qu'il y a une livraison. Faut que j'aille me changer alors. Vous allez à la soirée, Sonic, si tu veux, tu peux rester dans mon bureau. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller prendre mon drone et je vais aller inspecter les alentours. D'accord, bien pris. Ok. Comme ça, je commence à préparer le plan, je regarde de hauteur comment aussi. Pas de bêtises, hein. Il est où ton pistolet? Oh, c'est là. T'as essayé la voiture? Oh merde. C'est ça qui fait du bruit comme ça? Bah oui. Ouais. Non. Arrête. T'as vu? Aïe aïe. J'allais m'acheter un comme ça, moi, c'est trop stylé. Ça vend pas des armes comme ça. Merde. Mais t'es con quoi? Quoi, je suis con? Tu te connais, toi? Bah, il manque des pistolets à l'armurerie. C'est l'arme qu'il a dans les mains, c'est marché. Mais pas avec l'armurerie. Bah, avec qui alors? Avec qui alors? Bah, des gens, je sais pas, je vois. Quel gens? Je connais personne. Dis-nous, fréquente d'autres personnes à part nous? Ouais, je crois qu'il est en train de. Moi, j'ai des potes. Il a trouvé un nouveau club. T'as fait café ta gueule, hein? Excuse-moi, mais moi, j'habite là depuis très longtemps. Parce que. Ouais, mon Buffy, c'est moi-même, on va te défoncer ta gueule. Regarde, maman, regarde. Stop, recule en arrière. Achète ça, maman, à droite, lâche le pagnon. Ça te va, ça t'irait bien. Tu peux avancer. Non, regarde. Avec, sur un noir match. Dijon, je vais le dire. Non, range ta gueule.
Range ta voiture dans le garage. Elle allait vite briser, je te rappelle. Aïe. T'es taré ou quoi? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi il rigole? Pourquoi il rigole? Pourquoi non, il rigole? Putain! Un putain, ils ont pété! Comme la merde. Comme la merde, ta gueule. Les Lianes, ils ont maillé dans c'est le merde. Lianes dans le matin. Regarde, c'est rien, c'est de la fumée. Mais arrête, arrête avec ça. Bonsoir, c'est moi, je suis le DJ, vous inquiétez pas. Oh, DJ. Regarde. Oh, Jérôme. Oh, attention, ça a pété. Oh. Il y a un enfant qui mange des bougies. Ouais, mais éduquez-le. Il a voulu éduquez-le. Des fumigènes, son papa lui a acheté des fumigènes. Éduquez-le, vous aussi, ça, parce que... Éduquez-le, hein, il jette des pétards et tout. Excusez-vous, parce que... Mal élevé. Mais arrêtez, excusez-moi. Mal élevé, il est mignon. Mais il est pas mal élevé, vous êtes mal élevé, messieurs. Oui, toi, on dirait un pingouin.